Si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Au Pylon Saloon, sur la lune brisée. Tiens, regardez-moi ça, il est pas mort. Comment ça va, gamin? Quel? Je sais pas ce que t'as bien pu faire là-bas, mais ça s'agite. Revis est mort. Ah ouais, je comprends mieux. Alors laisse-moi deviner, on retourne sur Kobo? Ouais, je crois bien. Bon, alors, Jetpack, viens donc m'aider. D'accord. Tu rumines. Encore. Tu lis dans mes pensées? C'est pas une ruse Jedi. Je suis juste attentive. Sur la lune brisée, j'ai vu Dagan affronter Santari. Il était tellement obsédé par Tanalor qu'il s'est totalement égaré. Ça me rappelle mon combat contre l'Empire ces dernières années. Disons que je veux pas finir comme lui. Tu es très entêté. Mais ce n'est pas l'ambition qui te motive. Je comprends pas comment elle a pas remarqué le changement avant qu'il soit trop tard. Ils ont rêvé ensemble. Ils ont souffert ensemble. Se réveiller d'un rêve commun n'est pas une chose aisée. C'est donc de ça que tu as peur. De te perdre. Oui. Un peu. Si jamais tu t'écartes de ton chemin, on sera là pour te ramener. Ça va? La bestiole a tendance à s'agiter quand il y a un truc qui va pas. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai appris à lui faire confiance. Vous allez dans la montagne? On dirait bien. Je sais pas si c'est de la folie ou du courage, ou les deux, mais faites attention à vous là-haut, d'accord? Oui. Entendu. Bon sang, mais quoi encore? Si vous êtes avec les pillards, je veux pas de problème. Tout doux. On n'est pas avec eux. Ni avec l'Empire, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez, alors? On se dirige vers la montagne. Vous savez quelque chose? Vous devez être fou allié pour aller là-haut. Je sais pas grand-chose. La folie emportait déjà la plupart des gens avant que l'Empire débarque. Vous devriez repartir. On s'y remet. C'est interdit au public. Demi-tour, Vermin. Je ne fais que passer. Rien de plus. Tout ce qui dépend du racier ne peut pas traverser ce mur d'électrons. Prêt à faire feu, chef. Abattons-le avant qu'il devienne gênant. Négatif. On a des ordres.
Tu ne pourrais pas faire une exception? Tu sens ça, Vermine? C'est de l'air impérial que tu respires. Alors recule avant que j'oublie mes ordres et qu'on voit si t'es aussi coriace que ça. Répète-moi ça sans le bouclier. Tu vas désactiver ce bouclier. Je t'ai déjà montré mon autorisation. Tu m'as déjà montré ton autorisation. Chef, DK 783, poste de contrôle. Abaissez le bouclier. Hein? Quoi? Comment le bouclier est verrouillé? Liquidez-le! Elle sera pas verrouillée longtemps. L'endroit devait être prospère avant. Maintenant, c'est une ville fantôme. Garde tes capteurs en alerte, BD. Je le sens pas, cet endroit. On dirait qu'il va falloir grimper ensuite. C'est plus sûr que de marcher. Allez le chercher! N'y crois pas!
Pour sécuriser une navette. Il doit y avoir un truc important dedans. Fléchette électronique. La prochaine fois, essaie de lancer une analyse avant de tirer. Les pillards font peur à l'Empire. Ça pourrait mal tourner, BD. La visibilité est mauvaise. Il faut avancer. Balance. Thank you.
Il y a quelque chose là-haut. Tu peux envoyer. Plutôt discret. Attention, secteur, restez en alerte. Groupe Delta et Epsilon, rendez-vous en gare. Bon, on s'attend à une attaque? Reste calme, soldat. C'est pas les pillards, quand même? Exact. On nous signale du mouvement sur la Lune et à leur base. Foutu pillard tente quelque chose, on les explosera. À toi, Billy. J'ai besoin d'aide. Tu devrais ouvrir la porte. Je devrais faire quoi ?
C'est une inspection. Tu as ordre de me laisser passer. C'est... une inspection. J'ai ordre de vous laisser passer. Pardon de vous avoir retenu, chef. Je suis sûr que vous trouverez tout en ordre. Espérons-le. Leur stupidité ne les empêche pas de conquérir la galaxie. On devrait utiliser ça. Je ne sais pas si cette garnison tiendra face à une attaque des pillards. Je sais, je sais. Qui tu veux voir gagner ? Le Rancor ou le Gundark ? Ça fait haut. Impressionnant. On revient de loin. Baud, on se dirige vers l'observatoire. Je suis en route. Zeta, continue d'avancer. Je te couvre depuis des airs. Ça a l'air modifié. Sûrement pour la haute altitude. Attention à toi, Cal. Les pillards et les impériaux se mettent vraiment sur la tronche. T'en fais pas. Essaie de repérer Dagan. Bien sûr. Les pillards sont déjà passés par là. Ils s'amènent, ce Jedi. Excellent timing. J'en dois une. Je vais trouver un endroit pour atterrir. Pourquoi cherchez-vous l'observatoire ? Quoi ? On fait que suivre les ordres ! Un simple pion. Avez-vous un dispositif de communication ? Oui. Activez-le. Je m'appelle Dagan Gera.
Votre attaque ici a échoué et vos soldats ont perdu la vie. J'ai fait ce que vous vouliez. Laissez-moi. Très bien. T'es obligé de perdre. Tu n'as plus. Tu vas souffrir. Là, hein. Moins en moins de vaisseaux. Ça me plaît pas. Il a peut-être trouvé le compas. Il faut se dépêcher. D'accord. Je fais demi-tour. À plus tard. Pardon de t'avoir fait attendre. J'ai dû écraser quelques moucherons du chaos pour atterrir. Pas de problème. Il y en a toute une nuée droit devant. T'es prêt, mon vieux ? Allons chercher ce compas. Il y a presque plus d'impériaux dans le coin. Ils ont sous-estimé les pillards du chaos. Dagan est peut-être en plein délire, mais il a toute une armée qui croit en lui. Il pense qu'il les mène à Tanalore. Il faudra me passer sur le corps. La vache, regarde un peu cet endroit. Incroyable. Franchement, incroyable. Regarde-moi cette technologie. Tu sais, ma fille adore les gadgets. Oui. Son jouet préféré, c'est un scanner du marché noir que j'ai pris à un homme de Mardehut. J'ai vraiment été un père indigne. Personne n'est parfait. Tu te bats pour qu'elle ait une vie meilleure. T'as raison. Pour ça, je me fais pour elle. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Si Dagan sur la planète avec le compas. Il va s'envoler et on ne le reverra jamais. Il faut se dépêcher et faire en sorte que ça arrive pas. Où sont tous les pillards ? Et pas du tout. Prêt ? Comme toujours. T'es sûr de vouloir appuyer sur ce bouton ? Est-ce qu'on a le choix ? Ok, vas-y. Un pour toi. Un pour moi. C'est gentil de partager. Ça va chauffer, t'es prêt ? Allez !
là. Par ici. Prépare mon tir. Partant pour la troisième manche. Déjà la troisième? Oh, j'ai perdu le compte. Jojo coûte cher. Les scientifiques de la République avaient la belle vie. L'observatoire est là-bas. Juste derrière l'armée de droïdes des pillards. On a de la compagnie. Et vous le dites ? On va l'attaquer. Attends ! On fonce ! On ne tient pas tes coups. De la réserve pour Dagan. Je suis prêt. Et toi, BD? T'es prêt, Cal? Ouais. Les navettes s'en vont. Je ne reviendrai pas. Retrouve-moi. Ou va à Tanalor. C'est à toi de décider. On dirait qu'il a eu le message quelques années trop tard. Si seulement Santari m'avait soutenu, nous aurions pu convaincre le Conseil que Tanalor valait le sacrifice. Elle n'est plus là. Revis n'est plus là. L'Ordre n'est plus là. Et moi, je suis libre. Tu n'es pas libre, Dagan. Tu es seul. Que fais-tu là, alors que ton véritable ennemi est dehors? Comment as-tu pu laisser la galaxie tomber entre les mains de cet empire misérable? Tu te considères comme un survivant, mais tu es un échec. Nous ne sommes pas vaincus. Pas encore. Tiens, qui se laisse aveugler par son passé? Au cœur de l'abysse, l'empire ne peut pas nous atteindre. Je ferai de ces pillards une armée d'élite, dirigée par des disciples formés à la force dans mon temple. Et quand l'heure sera venue, je frapperai et je purgerai cette galaxie par le feu. Merci, mais on a déjà un empereur. Remets-nous le compas. Pourquoi est-ce que je ferai ça? Parce que je suis un père à court d'options. Et t'es un obstacle sur le chemin d'une vie meilleure pour ma fille. Donne-moi ça, ou je t'abats sur place.
Tu t'accroches à de piètres rêves. Tanalor m'appelle. Épuise.
Je sais que tu es blessé. Tu peux m'aider ? Tu perds pied. Alors que tu es sur le point de mourir, que ta vie ne valait rien. Ne résiste pas. Tu ne peux pas te cacher. Ah oui. Je le sens. Le deuil, la souffrance, la honte, la colère. Ces émotions recèlent un pouvoir immense, mais tu étais trop faible. À présent, il est trop tard. Les navettes s'en vont. Je ne reviendrai pas. Tu es perdu. Tu t'es écarté de la voie. Et tu n'es... Et tu n'es pas un Jedi. S'il te plaît, dis-moi que c'est bien réel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une illusion causée par la Force, qui puise dans nos peurs. J'ai exploité les siennes. Ça fait plus aussi peur maintenant. C'est bon, il est toujours entier. BD, donne-moi de bonnes nouvelles. Dagan avait peut-être raison. T'es sûr que t'es pas... Tu sais... Réfléchis-y. Tanalor est une forteresse. On devrait y abriter le passage. Rassembler des alliés, s'entraîner. Ils ne nous verront jamais venir. Je sais pas, ça a l'air risqué. Le risque sera toujours présent tant qu'on n'arrêtera pas l'Empire. Et puis... Tu ne voudrais pas que Kata passe sa vie à se cacher ? Tant qu'elle est en sécurité, ça me va. C'est tout ce qui importe. Oui. Oui, je te rejoins là-dessus. Mais un jour, quelqu'un devra affronter l'Empire. Pourquoi pas nous ? Cordova doit pouvoir le bricoler. On repart sur Jeddah. D'accord. Je vais juste jeter un coup d'œil dans le coin, histoire de voir s'il y a un manuel qui existe pour ce truc. On va bien trouver. Ouais. Hé, BD. Tu m'as sauvé. Encore. Merci.